Bonjour, alors je m'appelle Charlotte, je suis médiathécaire à la médiathèque de Châtillon et je m'occupe surtout de l'espace multimédia numérique. Alors de 19h30 à 23h, il y a la Nuit de la Lecture qui est un événement national que beaucoup de bibliothèques organisent ce soir. Et nous, on a des super animations, en plus de la médiathèque qui est ouverte comme une journée normale. Alors, c'est un événement national, mais chaque médiathèque ou lieu de culture propose différentes animations. C'est ouvert à tout public, de 7 à 77 ans, même plus petits, accompagnés de leurs parents, pour découvrir des nouvelles façons de lire et de découvrir la culture. On a des speed booking. Donc speed booking, c'est un peu sur la base du speed dating. 3 minutes pour convaincre la personne qu'on a en face de soi d'un coup de cœur littéraire ou même culturel. Donc ça dure 3 quarts d'heure. Il y a des lectures, les lisons les uns aux autres. Donc c'est les enfants du théâtre du conservatoire de Châtillon qui viennent lire des livres pour les petits sur la mythologie et pour les adultes et ados, les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Il y a aussi les lectures dans le noir. Donc pour les enfants, le monstre poilu, lu par une comédienne, et ensuite pour les plus grands, des extraits de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez aussi un bar à tisane, donc vous pouvez déguster et partager un moment convivial avec d'autres lecteurs et aussi les médiathécaires. C'est aussi important de rencontrer un petit peu les gens autrement que derrière une table, comme on a l'habitude de nous voir. Il y a aussi des concerts de Louis Aguilar, qui entre autres a travaillé avec Julien Doré, qui se dit crooner animalier et qui vient animer musicalement 2 sessions de 30 minutes dans la sieste musicale. Donc vous pouvez être installé sur des transats pour découvrir sa musique très indé et folk. Venez déjà découvrir la médiathèque. Là, c'est un événement exceptionnel, donc ça vous fait aussi peut-être franchir la porte d'un endroit où vous passez tous les jours et vous n'avez jamais le temps de rentrer. Et vous verrez, on est super sympa, très ouvert et on adore notre métier. Donc on est prêt à vous ouvrir à la culture avec un grand C, littérature, cinéma, musique, multimédia. Merci.